Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter l'épisode 8 du Walkthrough de Retour vers le futur. La dernière fois où nous nous étions quittés, c'était au beau milieu d'une cinématique et donc Doc allait nous expliquer comment on allait s'occuper de la foreuse à percussion. Et donc, entre-temps, j'ai eu un tout petit souci et j'ai appuyé sur la barre espace sans faire exprès, ce qui a enlevé la pause de la cinématique. Du coup, vous avez loupé un tout petit morceau de cinématique, mais c'est vraiment pas énorme, hein. Vous avez loupé un tout petit dialogue qui servait pas à grand-chose. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas dramatique. Bon, d'autre part aussi, c'est la deuxième fois que j'enregistre ma voix pour cet épisode, parce que Audacity a complètement planté et ça m'a un petit peu énervé, mais bon, on n'y peut rien. Donc cette fois-ci, j'espère que ce sera bon, qu'il n'y aura plus de soucis, j'ai utilisé un magnétophone qu'on m'a conseillé, ça devrait pas planter. Donc on va reprendre ici la cinématique. How? Well, it's very simple. This crankshaft induces a powerful direct current into the electrolysis chamber, producing hydrogen, which must be periodically released into the primary distillation barrel. While tending to the hydrogen, we'll also need to regularly sprinkle these shredded protein flakes into this aquarium of tuber bacteria to generate the necessary nitrogen to catalyze the reaction. Cool. Oh, hot! Extremely hot! The temperature of the reaction must be kept at a steady temperature of 623 degrees Kelvin by carefully pumping these bellows! Any questions? Ouais, donc cool, ça veut dire aussi l'inverse de chaud, donc c'est pour ça que l'autre il a répondu chaud. Emmett? Why is there a brace of drunkards gathering on our lawn? Sweet fancy Moses, it's my father! So? So, he doesn't know I'm engaging in acts of scientific exploration in here. He thinks this is where I go to pour through my law books. Oh. You attend to the reaction, I'll try to get rid of him! Tend to the... what? Can't we just start over after he's gone? It's too late! The reaction's already started! Don't worry, I'll try to help you out where I can. But... Ah. Petit souci au niveau du son, je sais pas pourquoi. Father! Don't you father me, child! Donc là, il va falloir que j'écoute les mots sur lesquels Emmett insiste, donc soupape. Voilà. Can't you see this? Orange, donc ça c'est l'aquarium. Pression. On relâche la pression gazeuse. Excellent. Now twist the valve there. Great. We're about a quarter of the way home. Emmett, get back here. Why don't you go feed the ducks, father? An aquarium. I hope someday you have children and you will look for the law. Law may be your burning passion, father, but it is not mine. Why won't you release me from your unattainable expectations? I hope someday you have children. There is a flame inside me that cannot be quelled by your legalistic gobbledygook, father. Bon, pour le moment, c'est plutôt simple, hein. Nourri, donc là, l'aquarium. Mais après, ça va se compliquer un petit peu, vous allez voir. Halfway there. Emmett! Keep up the good work. You don't get to control my life just because you fed and clothed me for 17 years. Father, why don't you ever listen to me? C'est alors là, je crois que c'était pas bon. Ouais, la poche de gaz. Il y a des petits pièges des fois, faut faire attention. Ronge. Donc l'aquarium encore une fois. Et là, attention, c'est le père qui parle. Donc, faut pas se faire avoir. Foudroyé. Choqué, là, c'est le père, donc on s'en fout. Secoue la nourriture, entre guillemets. Pression, là, c'est le père, donc on n'écoute pas non plus. Lave, je crois que c'est ça, oui. J'ai un doute, mais oui, c'est ça.
father. Là, ça s'emballe un peu. Ça, c'est la bonne blague. Stop being such a crank. Électricité. Bronze. Il faut que j'enchaîne sur l'aquarium. Pression. Il faut que je relâche la pression gazeuse. Tourne. Comme ça, avec l'électricité. Échauffe. Donc le feu. If it weren't for scientists, men like you would still be divining the future with sheep's bladders. Ah ouais, alors les boules de cristal, c'est emmerdant. Bon, les boules de cristal, donc c'est le gaz. Ah, électricité. Merde, je me suis gouré. Bon, c'est pas grave. Je vais devoir recommencer. Bah, c'est un passage, la première fois on galère un peu parce que bon, faut aller assez vite. Et les boules de cristal, je crois que c'est une erreur. Choc. Pression. Voilà. Enflammé, donc le feu. Tour de parole, donc on fait tourner, voilà, pour l'électricité. Libère, donc on relâche le gaz. My Galileo's rotations. Do you ever listen to yourself? Lawyers are nothing but brassés de l'air. Brassés de l'air. Non merde, non c'est pas ça. À chaque fois je me fais avoir, quel con. Un brassé de l'air en fait c'est le feu, parce qu'il faut alimenter le feu avec le Bon bah on est reparti pour une troisième fois, hein, jamais 203. Donc le feu, on y va. Généré, donc on génère l'électricité. Souffle, donc on utilise, voilà, ça pour alimenter le feu, hein, ne pas se faire avoir. Micro-organisme, donc voilà, l'aquarium. Étincelle, l'électricité. Ronge, donc ça c'est la nourriture pour les poissons, on va dire, même s'il n'y a pas de poissons. Ouais, c'est de l'air, donc là je me fais pas avoir. Voilà, c'est le feu. Bactéries. You treat me like common bacteria. Don't you have a release valve on your mouth somewhere? Hotter you get, the more I know I'm right. Re le feu. I strongly object to the current of this conversation, Father. Et c'est bon. I'm afraid we'll have to take this up later, Pop. My soup's about to boil over. What? This isn't over, young man. Whew. Are you okay? You and your dad sounded... It was an argument we should have had a long time ago. We... No! Oh. What? Eureka! Now all we gotta do is fuel up the old rocket power drill and you and I can... I can take it and go. But don't you want to test it first? No time. The last train for DC leaves in just a few minutes. All right. You've gotta get this baby to the US Patent Office. Exactly. So tell me, Sonny, when can I expect to hear back from the Patent Office? Oh, in about, I'd say... I can't. Huh? Emmett, I'm not from the patent office. I don't understand. I lied to you, but I didn't want to. It was just, it was the only way I can get you to trust me. See, there's somebody who's in big trouble. Someone very important to me, to both of us. I can't tell you who, but... I need to save him, tonight, and I need your invention to do it. I'll get it back to you, I promise. And, Emmett, you're gonna be a great inventor.
Wait! Keep the throttle at about 8. Okay, Doc, I got the drill. Now let's get you out of here. Come on, start! Supposed to be. Doc! They're moving him to another facility for safekeeping! Oh, I better go get a quote from the police chief. Paddy wagon intercepted, suspect slain, and they're still after him. How am I gonna rescue him now? Voilà, voilà. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire, je prends juste ceci. At least the rocket part came out of this in one piece. Et j'utilise le vélo d'Enna avec... Alright, I'm coming, Doc. Et on se retrouve avec un vélo complètement cheaté. Voilà, donc nous allons nous arrêter ici pour cet épisode. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et puis bon, le prochain épisode sera certainement le dernier de It's About Time. Donc encore une fois merci, et à bientôt pour l'épisode 9 du Wokfu de Retour vers le futur.